Pour le club, ça a été énorme puisque ça faisait 10 ans que Rouen attendait un titre. Donc, ne serait-ce que gagner la Leaders Cup, c'était vraiment sympa. Il y a eu un engouement extraordinaire. On avait, je pense, plus de 600 supporters qui étaient montés sur Paris. Voilà, donc on a vu que ponctuellement, les Rouennais étaient capables de se mobiliser aussi. Voilà, on sait qu'on est dans une terre de basket et que dès que les résultats suivent, les gens sont derrière nous. Moi, j'y ai participé deux fois, une fois avec le Havre, donc c'était vraiment dans le cadre du Havre, avec le plus petit budget, le fait de pouvoir y aller, c'était vraiment pour le club super, donc ça, c'est vraiment peut-être le meilleur souvenir, parce que l'année dernière, avec Pau, on y allait aussi, et c'est bien, parce que par rapport à la première fois où on y allait avec le Havre, on a eu la chance de passer un tour, on est allé jusqu'en demi-finale, alors on connaît un petit peu... Nous, ce que ça a produit, il y a eu beaucoup de blessures dans l'équipe contre la demi-finale contre Villeurbanne. Donc ça, c'est un moins bon souvenir pour nous, même si le fait d'être allé en demi-finale était plutôt positif.